Sur l'état de guerre et l'état d'urgence, François Hollande souhaite d'ailleurs en modifier la durée et le périmètre. Est-ce que la situation le justifie? Est-ce que la situation l'impose, Robert Badinter? François Hollande souhaite passer de 12 jours à 3 mois. Écoutez, à cet égard, moi je vous dirais très clairement, l'état de droit, et l'état de droit c'est le cœur de la démocratie, car il repose sur nos valeurs fondamentales, l'état de droit n'est pas l'état de faiblesse. Ce n'est pas la même chose. Alors, à quel niveau doit se situer la modification ou les modifications à intervenir? Attendons et voyons. Mais je le répète, vous êtes dans une situation dans laquelle il faut, première exigence, maintenir les valeurs fondamentales de notre démocratie. Mais apporter une réponse sécuritaire aussi, Robert Badinter. Et deuxièmement, ne pas hésiter devant des mesures nécessaires à prendre à la condition qu'elles ne méconnaissent jamais ce qui est au cœur de notre société, c'est-à-dire les droits de l'homme. Moi, je me souviens très bien. J'étais à Madrid en 2004, au moment où il y a eu le terrible attentat, vous vous rappelez, dans la gare de Madrid, 200 morts. Oui. Le lendemain matin, étant là, j'accompagnais Kofi Annan pour d'autres raisons, nous avons assisté à une cérémonie très émouvante où le roi d'Espagne a pris la parole avec des propos admirables. Et Kofi Annan, qui avait été chargé de répondre, voilà ce qu'il a dit à cet instant. Nous sommes à Madrid, 2004, au lendemain des attentats. Porter atteinte aux droits de l'homme ne saurait contribuer à la lutte contre le terrorisme. Au contraire, cela permet aux terroristes d'atteindre plus facilement leur objet en donnant l'impression que la morale est passée dans leur camp et surtout en suscitant la haine et la méfiance, précisément chez ceux parmi lesquels les terroristes sont le plus susceptibles de trouver de nouvelles recrues. On ne peut pas mieux dire les choses. Voilà le chemin étroit. L'Union nationale, Claude Bartolone évoquait hier l'intérêt d'un gouvernement national, ce qui serait évidemment une première. Est-ce que c'est une hypothèse qui peut faire son chemin, Robert Badinter? Vous dites souvent, en l'état, je vais vous dire simplement, je n'y crois pas du tout. Mais est-ce que ça ferait sens? À l'heure actuelle et au moment où nous sommes, vous avez un gouvernement qui agit, un Parlement qui est là et qui est présent dans ces questions. Je le rappelle aussi à propos de l'état d'urgence, hein, il y a aussi un contrôle par le Parlement. L'idée que parce qu'on a prononcé le mot de guerre, cela implique un gouvernement d'union nationale, non. Et puis quand on parle de guerre, moi j'appartiens à une génération qui a connu la guerre. C'est ce que j'allais dire. Vous dites souvent, j'ai grandi avec le terrorisme. C'est un changement radical, mais radical de toute une nation. Je ne parle pas des désastres militaires de la dernière guerre, je veux dire celle de 39-45. Je veux dire, au départ, vous avez cette donnée. Tout devient le service de la guerre. L'économie, les hommes, tout est mis au service de gagner la guerre. Nous n'en sommes pas là. Le mot de guerre est symbolique, peut-être éloquent, mais la situation n'est pas celle, heureusement, de guerre. Alors, Jeff Wittenberg est en...